À 10 ans, le champion AQPS Ruby Ball prépare son grand retour en 2015. Triple gagnant de groupe 1 chez Jacques Orte, Ruby Ball avait été envoyé en Irlande chez Will Mullins par la famille Papeau après une saison 2012 très décevante. Victime d'une tendinite fin 2013, Ruby Ball reprend le travail chez Sam Watson près de Carlow. He's very well in himself, he's feeling good. All is good with him now physically. Ruby Ball est arrivé il y a un mois à la maison. Il est en pleine forme et a l'air de bien se sentir ici. Tous les feux semblent être ouverts physiquement. Il va donc pouvoir reprendre le travail. Mais après un long arrêt, il faut prendre son temps. Pour l'instant, il fait du pas 25 à 30 minutes le matin et pareil l'après-midi. Très prochainement, nous allons reprendre le travail sur le plat, aux longues rênes, dans un premier temps. Ensuite, du dressage, ce qui est bon pour le cheval, surtout pour son dos, mais aussi l'ensemble de son corps. Après ça, ce sera le travail de Willy, de l'affûter pour son retour aux courses. Mon activité principale, c'est cavalier de concours complet. J'étais d'ailleurs en France l'été dernier pour les Jeux équestres mondiaux, mais j'adore les pur sang. Je me plais beaucoup à travailler avec eux et les méthodes du complet leur sont bénéfiques. Willy est venu me voir car il pense la même chose et nous sommes contents de pouvoir s'entraider. Comme on peut le voir, Ruby Ball est toujours aussi impulsif. Il est de l'avant et c'est une grande qualité pour un cheval de compétition qui doit aimer son travail et la vie en général. Et lui, il adore ça. J'espère qu'on parviendra à lui faire comprendre quand même qu'il doit canaliser son énergie et attendre le bon moment pour tout donner.